C'est les crédits d'accompagnement et de développement. Mais avec ces trois critères que je rappelle qui sont essentiels, des projets innovants, je crois que tout le monde a compris que c'était le cas ici autour de cette table, des projets duplicables, c'est-à-dire qu'on peut les multiplier sur l'ensemble du territoire, et évaluables en tant que tels de manière très, très rigoureuse. Pour être clair, on n'est pas dans une logique caritative, on est dans une logique de développement. J'ai rien contre les caritatifs, ils font aussi leur travail, mais nous on est plutôt sur de la modélisation et du développement de ces projets. Pour être clair, on part de l'initiative locale, c'est pas un appel à projet. C'est pas un appel à projet, on part vraiment du projet associatif, du projet entrepreneurial et on l'accompagne.